Europe 1, il est 9h05. La sortie du jour de Diane Chénouda. Bonjour Diane. Bonjour Thomas. Ce matin, de l'humour au féminin, elle s'appelle Blanche. Oui, retenez son nom, hein, même si vous l'avez déjà vu sans doute sur Canal ou au cinéma. Blanche Gardin se lance dans le One Woman Show et je dois dire qu'elle vaut le détour. Visage enfantin sur scène, elle apparaît en robe rouge à pois noirs. Elle ne sourit pas, collée au micro, sans bouger d'un iota pendant tout le spectacle. Elle susurre, chuchote sur le ton de la confidence. C'est un peu la chronique d'une fille seule qui vient de se faire larguer par son mec à 38 balais, c'est raide. Hein. Quand le mec vient te voir et te dit écoute, je crois qu'il faut qu'on se sépare parce que je me sens pas libre dans la relation. Ben non, connard, c'est la définition du couple en fait. Hein. Pas libre. Les gens mettent des cadenas sur les ponts pour symboliser leur amour et jettent la clé dans la Seine, je sais pas si t'as remarqué. Voilà, alors une fille qui se fait larguer au moment où évidemment elle rêve de bébé à 38 ans, alors ça donne quoi Thomas? Ça donne une fille qui déprime, non? Bah oui, elle déprime, alors rien n'y fait. Même quand une copine essaye de la consoler en lui disant qu'on peut congeler ses ovocytes. Ça va pas du tout remonter moral. C'est glauque. Je me suis projetée dans 5 ans, toujours célibataire, en train de revenir seule de chez Picard, là. Et ranger mes poissons panés à côté de mes enfants panés. Oui, elle a l'humour très noir, Blanche. Et l'humour chez elle, c'est vraiment la politesse du désespoir. Blanche. Elle est seule et elle est obsédée à l'idée d'être seule. Voilà, comme beaucoup de célibataires dans ces grandes villes où finalement il y a une espèce d'obsession à l'idée de vouloir être amoureux, de vouloir être avec quelqu'un. Alors même qu'on passe des journées entières à ignorer méticuleusement la plupart des gens qu'on croise. Donc on se rend compte qu'il y a quand même un manque de sens évident dans la vie de cette nana et dans la mienne, que j'assume. Mais c'est aussi l'époque qui veut ça. Bon, mais c'est un spectacle qui est interdit aux moins de 16 ans, non, votre mais truc? Oui, écoutez, Thomas, sérieusement, parce que, sérieusement, parce que c'est vrai que je vous ai épargné les passages les plus crus. Elle mais parle beaucoup, beaucoup de sexe, Blanche. C'est subversif. Il y a le sexe, il y a l'alcool, il y a la mort. Elle évoque l'agonie de sa grand-mère sur un lit d'hôpital. On est vraiment avec elle dans cette chambre. C'est très, très fort. C'est elle, évidemment, dont elle parle, on l'a compris. D'ailleurs, elle réécrit sans arrêt son spectacle au fil de ce qui lui arrive. Puis les gens te le disent, quand ils te voient très malheureux, les gens te disent « Souchouchouche-toi, toutoune-toi, prends soin de toi. Oh » Oui, c'est bien, oui, maintenant que ma vie est foutue, je vais bien prendre soin de mon petit malheur. Oui, c'est bien ça, c'est bien. Il faut que je vous parle, c'est le spectacle de Blanche à découvrir jusqu'à mi-juin à la Nouvelle Scène S-E-I-N-E à Paris. C'est une péniche qui est au pied de Notre-Dame et puis ensuite elle ira jouer à New York carrément. Oui carrément, là, voilà. C'est la sortie du jour de Diane Chénouda. Blanche, merci et à demain Diane. À demain Thomas.